Là, je vais vous présenter le chalet que nous vous proposons à la location. Le chalet que nous avons baptisé Les Mouflons. Donc, voici ce chalet. Je vous fais donc découvrir les environnements proches du chalet, extérieurement. Voilà, on a donc 500 mètres carrés de terrain, un terrain non clos. On accède à la terrasse qui fait une vingtaine de mètres carrés. Terrasse sur laquelle nous avons une vue panoramique sur la vallée. Aujourd'hui, c'est un peu brumeux. Alors, je filme avec mon portable. Je ne sais pas si on voit bien la vue. Un peu un contre-jour. Donc la terrasse est exposée sud-ouest et elle est à l'abri des vents. Donc, on a une vue magnifique sur le roc de Courlande. Et on aperçoit juste là derrière les pistes de ski avec remontée mécanique. Donc sur la terrasse, on peut observer une table qui est capable d'accueillir 14 personnes. Et qui permet de prendre les repas en terrasse avec une vue quand même qui est plus que sympa. J'ai essayé de zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Qualité de mon téléphone n'est pas terrible. Bon. Voilà. Bon, je vais vous faire visiter l'intérieur maintenant. Voilà, donc on va pénétrer maintenant à l'intérieur. Donc nous arrivons ici sur la salle de séjour, ouverte sur la cuisine. Ouverte sur le salon. Alors donc on a une table là aussi assez conséquente puisqu'elle fait un peu plus de 3 mètres de long, donc elle peut accueillir aussi 12 à 14 personnes. Et puis nous avons donc une double cuisine puisqu'il y a deux plaques de cuisson. Donc plan de travail avec 4 feux gaz ici, avec une vue sympa. Toujours sur la vallée du Velux. Vous remarquerez d'ailleurs que je n'ai pas filmé le même jour les extérieurs et la visite intérieure. Et puis là, nous retrouvons donc eh bien, 4 feux électriques, un four traditionnel, un évier, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes. Un réfrigérateur congélateur, donc le numéro 1, parce que nous en avions mis 2, et puis nous avons les placards d'ustensiles de cuisine. Voilà, vous avez des placards aussi sous plan de travail. Donc vous avez donc un espace télé ici, télé, magnétoscope. Vous pouvez prendre aussi des clés USB pour pouvoir mettre vos films si vous le souhaitez. Nous avons donc une grande banquette de 3 mètres de long aussi. On peut y tenir un certain nombre. Et puis, donc on va continuer la visite ici. Donc, bon, pas super intéressant, mais ça mérite d'exister. C'est quand même pas mal. Un premier WC. Voilà. Ensuite, la chambre numéro 1. Donc, avec une petite vue sympa de la fenêtre de la chambre. Donc avec 1 litre de personne,
en 140 cm, la taille traditionnelle. Donc vous avez un placard de rangement, hop, avec toutes les couettes, oreillers, tout ce qu'il faut, ouverture, etc. Toujours une vue sympa, un peu moins dégagée que quand j'ai fait le film extérieur, mais voilà. Ensuite, juste en face à chambre numéro 1, on a la chambre numéro 2. Bon, c'est la même que l'autre, hein. Avec là aussi une petite vue derrière. Un lit là aussi de deux personnes en 140 cm. Et puis aussi un espace de rangement assez conséquent. Et puis on retrouve aussi les couettes et couverture tête d'oreiller. Après, nous avons une salle de bain avec donc évidemment lavabo forcément. Et puis on a aussi une douche à l'italienne. Hop. Bon, je vais essayer de vous faire voir ça. Alors, je filme avec le portable, donc c'est pas. Pas de grand angle. Hop. Voilà. Bon, ça fait une grande douche, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première salle de bain. On va passer maintenant à l'étage. Retrouver la chambre numéro 3. Donc, où on retrouve un lit de 90 avec un deuxième lit de 90 en dessous, hein, c'est ce qu'on appelle communément les lits gigognes. Hop. Voilà. Donc ça fait deux lits de 90 ici. Juste à côté, deux lits de 90 également. Donc, ce qui fait quatre couchages de 90 cm ici sur cette chambre numéro 3. Petite vue sympa. Un espace télé pour les enfants. Là aussi, on pensait amener des films si jamais vous en êtes muni. Donc un petit lecteur DVD. Voilà. La chambre numéro 4. Donc on retrouve la même chose, hein. C'est-à-dire que nous avons un lit de 90. Avec le gigogne juste en dessous. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc 2 lits 90 sur la gauche. Et puis 2 lits 90 aussi sur la droite. Donc sur cette chambre numéro 4, 4 lits 90. Avec une vue aussi. Assez sympathique, même si c'est plus couvert. Voilà, puis un espace assez conséquent dans cette chambre. Voilà, donc on va redescendre maintenant. Et puis, on va passer à la suite de la visite. Alors le poêle à bois, oui, alors j'y viens. Le poêle à bois, donc il est capable de chauffer quasiment l'intégralité du chalet. Le bois est à volonté. Et donc n'hésitez pas donc à vous en servir pour vous chauffer. On descend au niveau inférieur. Qui est en fait le rez-de-chaussée du chalet. On trouve ici la cinquième chambre. Comporte un lit de deux personnes en 140 cm avec une vue sur l'extérieur aussi, forcément. Voilà. Donc là, vous observez en fait des placards, mais ils ne vous sont pas accessibles parce que nous y rangeons nos affaires personnelles dans cette pièce. On a de coutume d'appeler la pièce
pièce vestibule, parce qu'en fait, quand on revient du ski, eh bien, on se déshabille ici ou on fait sécher ces affaires-là. On met ses chaussures pour que ça sèche. Voilà. On a une seconde salle de bain qui est ici, avec un WC, avec un lavabo, une baignoire et un sèche-linge. Non, pardon, un lave-linge. Un lave-linge, non, on n'a pas de sèche-linge. Voilà, et puis enfin, sur la dernière partie du rez-de-chaussée, alors on retrouve un second un réfrigérateur congélateur, parce que c'est vrai que quand on vient assez nombreux, un seul ça suffit franchement pas. Et puis nous avons ici donc un petit espace aussi pour retirer en fait les affaires de ski. Et puis on a un range-ski, un range-bâton en haut, et puis surtout on a 10 terres de bois qui sont à votre disposition pour vous chauffer. Alors on a prévu au niveau journaux pour allumer, donc on a prévu ce qu'il faut. Sera disponible aussi pour vous du bois d'allumage qu'on fait rentrer pour la saison. Il y a même un barbecue. Alors si jamais, parce qu'en fin de saison ça peut arriver, si jamais il n'y a plus de bois d'allumage, je vous préviendrai de toute façon à l'avance, s'il n'y a plus de bois d'allumage, il faudra que vous pensiez à amener des cubes pour allumer le feu en fait. S'il n'y a plus de bois. Plus de bois d'allumage, parce qu'en fait, sinon c'est un petit peu galère. Simplement avec un petit bout de journal et puis une grosse bûche pour allumer, c'est un petit peu limite quoi. Voilà, donc j'espère que ce petit film vous a permis de vous rendre compte un petit peu mieux de ce que nous vous proposons à la location. Nous restons à votre disposition évidemment pour toutes les questions que vous pourriez nous poser. Donc je suis disponible au 06 50 95 53 38. Et je vous dis à très bientôt.